Bonjour à toutes et à tous, c'est Enarpilo, mais appelez-moi Narpi, c'est plus court, et je vous souhaite la bienvenue dans mon let's play de Batman Arkham Origins. Alors si vous ne me connaissez pas encore, et bien sachez que je suis à l'origine de deux guides vidéo, le premier sur Batman Arkham Asylum et le deuxième sur Arkham City, qui sont disponibles sur jeuxvideo.com et bien sûr sur ma chaîne. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, et comme ça vous pourrez découvrir de nouvelles vidéos sur Batman et sur d'autres jeux. Donc faites-le, moi je vous le conseille. Et puis, s'il vous plaît, laissez un petit pouce vert, comme ça, ça pourra m'encourager à faire d'autres vidéos. Et ça fait vraiment plaisir, je vous assure. Je vais lancer ce let's play, donc c'est parti. On va créer une sauvegarde. Et on va lancer le jeu en difficulté normale, pour l'instant. Parce que bon, j'ai un bon niveau sur Batman. Mais quand on commente, c'est une autre histoire. Et puis, je vous lance un petit jeu durant ce let's play. Vous pouvez voter pour votre vilain préféré entre les deux que vous voyez qui sont proposés à l'écran. Et à chaque épisode, ça sera de nouveaux vilains. Donc vous pouvez répondre en commentaire et me faire savoir quel vilain vous préférez. Et dans le dernier épisode, j'annoncerai le grand vainqueur. Invite tous les citoyens à ne pas prendre la route et à rester chez eux ce soir en raison de la tempête de neige annulée. C'est une île, Bruce. Vous êtes revenu depuis presque 2 ans. Vous ne me ferez pas croire que le célibataire le plus convoité de Gotham passe un nouveau Noël tout seul. Je n'ai plus beaucoup de temps. En sachant que ce soir, nous avons mis fin à la vie d'un tueur les plus terribles et implacables de Gotham, Julian Gregory Day. Commissaire Loeb, un commentaire sur la rumeur qui dit que ce n'est pas la police qui a capturé Monsieur Day? Batman est une légende, un point c'est tout. Capitaine Gordon, Capitaine Gordon! Plus de commentaires, je ne dirai plus rien. Appel à toutes les unités, code 10 à la prison de Blackgate. La communication est coupée, probable 2-11. Delta 6-4 en route, 135-9, confirmé code 10. C'est une évasion? Suspect identifié comme Black Mask. Je répète code 10, le suspect est Black Mask. Aux unités à Blackgate, code 6, code 6. Le commissaire Loeb est retenu en otage. Que c'est le réveillon de Noël, monsieur. On dirait que Black Mask est entré dans la prison. Je dois trouver le commissaire Loeb avant qu'il soit trop tard. Ça y est, enfin! On est aux commandes de Batman! Et on est dans la prison. On doit retrouver Black Mask. Ah, elle donne vraiment envie cette cinématique. Vraiment, vraiment. Bon, après, je sais qu'il y a pas mal de détails qui ont changé par rapport au précédent Arkham, au niveau des doublages et... C'est plus trop les mêmes. Mais pour l'instant, je reconnais quand même le gameplay, c'est à l'identique. Alors, c'est pour s'accroupir également, c'est pareil. Non, pitié. Oh, je vais te faire la... Mais quand tu crèveras, il n'y a pas que cet œil qui te manquera. C'est quoi ça? Derrière vous. Bon, dire, tu crois que je vais me faire avoir? Franchement, essaie un truc original. Et pour qui tu te prends? Et bim, dans ta gueule! Ah, le système de contre, c'est toujours le même.
N'approchez pas. Et toi aussi dans ta gueule. Fallait pas provoquer Batou. Allez, parle, parle. J'ai entendu les rumeurs, mais... On m'avait dit que t'existais pas. Qui a fait ça? Je sais pas ce que c'est énorme. Où est Black Mask? J'en sais rien. Il est là pour le commissaire Loeb. Un de ses hommes sait peut-être où il va. Oh yes. Ici le capitaine James Gordon du GCPD. Ah, ils ont changé la voix de Gordon. Pas cool. Bon, en même temps, dans cet épisode, Batman est plus jeune. Mais quand même, c'est pas cool. C'est comme la voix du Joker, je suis pas très... Enfin, je suis pas convaincu. Pierre Hatté était vraiment excellent comme doubleur. Là, je parle pour la version française. Alors, je suis un peu déçu à ce niveau-là. Mais bon, après, si le jeu est au même niveau que les précédents, c'est bien. Là, je profite vraiment, hein. Je suis pas du genre à rusher comme un malade, je préfère profiter du jeu à fond. Donc, je vous fais faire un petit tour. Ce sont des gars de Black Mask. Je vais leur demander où je peux trouver leur chef. Ouais, on va demander ça version Batman. C'est-à-dire qu'on va cogner dessus d'abord. Allez, viens là, toi. Tiens. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu touches pas à ce panneau électrique. Dans ta face de rat. J'ai une petite impression que les combats sont plus nerveux. Mais à vérifier sur le long terme. Et Batman est vachement réactif. En tout cas, c'était quand même la grosse innovation par rapport à Asylum et City, c'est que Batman en combat pouvait contrer plus facilement et surtout réagir plus rapidement, parce que sur Asylum, c'était vraiment chaud, hein, les combats. Où est Black Mask? Et comment je le saurais? Tu finiras par parler. Après, c'est à toi de voir à quel point t'as envie de souffrir. Va te faire! Je n'ai pas de temps à perdre. C'est bon, d'accord. Il est en route pour la salle d'exécution. Avec Loeb. Je te remercie. Maintenant, tu vas faire un petit somme. Il est gentil quand même, il prévient avant. Et est-ce qu'il y a des secrets de l'homme mystère? C'est comment encore pour voir la vision, hein? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, ils vont nous l'annoncer plus tard. Mais là, détail technique, je vous propose cette vidéo en 1080p, en full HD. Alors j'espère que je pourrai faire la même chose pour les prochains épisodes, mais bon, des fois ça lag un peu, alors je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je me demande... C'est quoi ce drone? Oh oh. Ouais, les combats sont stylés quand même. Y'a pas à dire. Même les bruitages, quand on donne des coups, j'y trouve bien meilleur. J'ai pas de temps à perdre. Je dois utiliser mon bas de grappin pour franchir cette porte. Le bas de grappin! Oh yeah! Fonctionne toujours aussi bien. Il y a quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps, parce que il y a encore une clope dans le cendrier qui fume. C'est Black Mask à mon avis. Il est passé par là. Qu'est-ce que c'est? C'est Killer Croc, ça? C'est en parlant comme ça tu t'es retrouvé. Ah, j'ai un doute. Oh. Tiens, lui, il est blindé. Il porte une sorte d'armure. Si je le déséquilibre avec ma cape, je pourrais ensuite l'attaquer. Ah ouais, c'est les gardes dans Arkham City qui sont comme lui, avec une protection mais en rouge. Donc on les reconnaît facilement. Là, ils sont moins repérables, mais ils sont quand même costauds. C'est le principe reste le même.
Et quand même, j'aime bien cette impression de... Enfin, de profondeur, on va dire ça entre guillemets. Mais le fait qu'on voit plus loin dans la prison, c'est pas des simples murs qui bloquent et qu'on voit rien du tout, non. Là, on a l'impression qu'on peut y aller, mais pas du tout. Mais ça donne quand même le sentiment que la prison est grande. Ça, c'est cool. Je kiffe. Non, pour l'instant, j'aime bien. Ok, c'est que le début, puis je fais que m'extasier, mais... Après, moi, je demande pas ce qu'il y ait des grosses innovations. Si le jeu reste sur la base des précédents, ça me va. Ah, voilà, vision du détective. Il y a un mec qui se fait cogner. Il y a deux mecs qui applaudissent. Je crois qu'ils ont rien compris à ce qui se passe, en fait. Et il y a des gens qui font... Cosette, j'en sais rien, peut-être un pique-nique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le batarang. Ah, interrupteur de contrôle. Bande d'enflure. Ah, il faut courir. Courir. Baston. Oh non. Je me suis pris ma première patate. Ah, c'est Vicky, comment que c'est encore Vicky, je ne sais plus. La journaliste, qui est tout le temps là au mauvais endroit, et qu'on est obligé de sauver à chaque fois. Tiens, je peux pas parler aux gardes, c'est dommage. Un interrupteur. Cette partie du sol est fragile. Je peux utiliser mon gel explosif pour la briser. Boum. Oh, je peux pas quand je suis sur la plateforme. Si, ah non, c'est parce que je dois d'abord activer la visée, bien sûr. Black Mask. T'as signé ton arrêt de mort, Lob. Vous avez entendu? Il y a un paquet de gardes. Mais on va se les faire. Et comme on va parcourir, il semblerait, la map à travers l'aération, il y aura de la filtration. On va être initié à l'infiltration. Non, pas encore. Bon. Ouais. Il prend la fuite. Oh merde. C'est enfermé. Retour à l'envoyeur. Merde. J'ai cassé mon combo. Il n'y a pas eu de zoom cette fois-ci. Viens là, viens là. Alors comment que je peux t'atteindre, hein? Comment que je peux t'atteindre? Tiens. Calenderman. Calenderman est passé par là. Oui, je reconnais sa signature. Merry Christmas. Avec une blonde. Oui, c'est lui. Alors est-ce que c'est juste un clin d'œil? Non. Ah, un mur destructible. Il va être surpris, hein. Pop, 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 pop. Salut toi. Information sur le commissaire Love ou Black
invité à se manifester immédiatement. J'ai reçu la confirmation de la part du directeur Joseph que vous serez récompensé pour toute information nous permettant d'arrêter les suspects. Ok, bataille en rapide. À tous les détenus du couloir de la mort, veuillez rester. Ah, je dois lancer deux à la fois, ok. L'opération de police est en cours et tout détenu hors. C'est le réveillon et c'est Calendarman. Ah ben voilà, il vient de le mentionner. Et c'est vraiment trop parfait pour qu'on puisse. Ah, il est bloqué là-dedans. Bande d'enfoirés, laissez Calendarman. Ça doit être le plus inoffensif des vilains. Qu'est-ce que tu fais, Sionis? N'ai-je pas toujours été honnête avec toi? Désolé, Gillian, mais les choses ont changé. On va prendre un nouveau départ. Tu n'étais pas invité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas invité? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu ne peux pas faire ça! Je suis le chef de la police, quand même! La fête est finie. Hey, il vient de me donner un coup de main. Allez, Batman. Défonce cette paroi. Avec ta tête! En plus, c'est vraiment ça, hein. Yes! C'est trop tard. Le commissaire Loeb est mort. Black Mask va devoir s'expliquer. Oh man! On ne sortira jamais d'ici! Arrête! Faut pas suivre avec ce taré! Tous ceux qui sont à proximité de la salle d'exécution de la journée. Tiens! Il était mort. Comment que je l'ai eu là? Il s'est dit ouais, attends, il se casse, je vais lui lancer ça dans la gueule, dans son dos, et bah non, pas du tout. Bon, du coup, Calendarman, où est-ce qu'il est? Parce qu'il était là-dedans, hein. J'ai pas très bien saisi qu'est-ce qu'il a fait avec. J'espère qu'il a pas transformé en pain d'épices. Bon, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Mama! On va aller par là. Mais il n'y a rien. En fait, je cherche quand même des petits secrets. Mais là, j'en vois pas. Bon, bah on va foncer. Ah, bah non. Qu'est-ce qui nous empêche de progresser? Hein, rien, rien de particulier pour l'instant. Prendre la carte mémoire. Je voulais la détruire. Alors je l'ai détruite. Il y a intérêt. Parce que sinon, c'est ta tronche que je vais détruire. C'est Killer Croc. La carte mémoire est endommagée, mais je devrais récupérer la plupart des données dans la Batcave. Voilà, on va à la Batcave. Enfin, on y va, mais plus tard d'abord. Essaye de choper Black Mask. Par cette échelle. Eh mais comment Killer Croc il a fait pour monter Enfin, je veux dire, sans détruire quoi que ce soit, c'est pas possible, il pèse 3 tonnes. Premier boss que l'on affronte. Oh merde! Ouais, faut que je me concentre là. Ah non! Allez, viens. Viens mon gros. B et X, ok. Alors. Ouais. Mais non. Tiens.
Ouais, il est pas si massif que ça, Killer Croc, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, là, il y a un truc qui va pas, là. Je peux plus bouger. C'est bon. Ok, ok. Ok, vas-y, lance, lance. C'est parti, on esquive. Ouais, j'ai eu un sbire. Non! Non! Casse-toi de là! Oh. Ouais! T'atteins dans ta gueule? Oh merde! Vas-y, lance! Je vais défoncer tes sbires. Allez, les sbires de Black Mask. Vas-y, vas-y. Vas-y, là. Ok, nickel. Putain, il y en a encore un. Oh, merde. Ah, t'as mal, Coco, t'as mal. Vas-y, viens. Coup de cap. Patate dans ta tronche. Oh oh. Tu pues de la gueule. Yes. Bon alors, dernière fois. Et après, tu rentres chez toi, ok? T'arrêtes de me faire chier. Vas-y, lance. Batman est une légende, hein? Vous êtes de retour pour la nuit, monsieur? Dois-je réchauffer le repas de Noël? Non. La nuit risque d'être très longue, Alfred. Je viens de croiser un crocodile à forme humaine qui m'a dit que Black Mask avait embauché des assassins pour me tuer. Nous voici arrivés dans la Batcave. Mais quand même, j'ai une remarque à faire sur la Batwing. Je la trouve pas très... Enfin, pas très à mon goût, voilà. Elle est beaucoup trop carrée et fait pas penser à une chauve-souris. Je veux dire, c'est... Non. Là, on dirait un vaisseau de Star Wars. D'ailleurs, même Batman, je le trouve très mécanique. Et du coup, il a l'air beaucoup plus fin, même s'il est encore très costaud. Mais je préfère quand même sa tenue d'Arkham City. Et même Arkham Asylum. Parce qu'il a moins de gadgets sur lui, en tout cas, on les voit moins. Mais c'est que des détails, encore une fois. Je vais pas m'arrêter là-dessus, quoi. Parce qu'après, ça, on n'y fait plus attention quand on tatane des méchants. Bon, utiliser... Et j'ai pas monté de niveau parce que... Enfin, j'ai niveau supérieur, mais j'ai pas accédé au menu. Des assassins, monsieur? Parce qu'il y en a plusieurs? C'est ça. Et vous l'avez appris de la bouche d'un homme crocodile? Il s'appelle Killer Croc. Il est déjà derrière les barreaux. Ouf, je plains son co-détenu. Pas moi. Voyons ce qu'il y a d'autre sur le disque dur du drone. Chacun d'entre eux reçoit une de ces enveloppes. Je veux qu'elle soit livrée. Ce soir!
Ce sont des tueurs à gages, les meilleurs dans ce domaine. Black Mask a fait les choses en grand. Slade Wilson, Deathstroke, ancien militaire, victime d'une expérience médicale ratée. Ratée, vous dites ? Garfield Lynch, alias Firefly, brûlé sur 90% de son corps. Son obsession entraînera sa perte. Contrairement à quelqu'un que je connais. Voici un visage que je ne connais pas. Copperhead. Bizarre. Ces rapports font référence à un homme, pas une femme. 14 évasions, hein ? Eh ben, tu sortiras jamais de... Mais qu'est-ce que... Floyd Lawton, alias Deadshot. On bouge plus. Il est indiqué que c'est un tireur d'élite. Mais comment ? Soupçonné de nombreux assassinats majeurs. Dangereux, mais imprudent. Un voyou appelé Lester Bouchinski. Il se fait appeler l'électrocuteur. Quel choc ! Shiva. Un talent exceptionnel. Se ferait-il payer pour jouer les tueurs à gages ? C'est le directeur Joseph ? C'est comme ça que Black Mask est entré à Blackgate. Il utilise la torture pour intimider et pour s'amuser. 8 assassins volent votre peau. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Je vais découvrir qui commandait ce drone. Je vais l'obliger à parler. Ensuite, j'irai rendre visite à Black Mask pour mettre fin à tout ça. Monsieur, je ne fais peut-être que radoter, mais vous savez que vous et moi étant les seules personnes à connaître l'identité de Batman, ces assassins ne pourront pas remplir leur contrat si vous passez la soirée ici. Ils mettraient des innocents en danger pour attirer mon attention. Je ne peux pas prendre ce risque. Et vous croyez que c'est une meilleure idée de sortir et de vous mettre dans leur viseur ? Il n'y a qu'une seule personne à Gotham qui puisse mettre la main sur une chose pareille. Le Pingouin. Il est sur la piste de Black Mask. Il devait aller à un rendez-vous avec les hommes du Pingouin à Jezebel Plaza. Je vais les faire parler. Oh là là, ça annonce du lourd. Vous êtes sûr que c'est 8 assassins. Huit contrats contre Batman. Et c'est énorme. Et à côté de ça, il y a d'autres personnages à découvrir dans le jeu. Mais ça sera dans les prochains épisodes. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de Batman Arkham Origins et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao, bye bye.